Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut retourner un article sur Vinted. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'application Vinted. Donc là, nous voilà sur notre compte Vinted. Ensuite, la première des choses que nous allons faire, c'est de cliquer sur notre profil tout en bas à droite. Et après avoir cliqué sur le profil, nous allons scroller en bas et cliquer sur Send Dead. Nous allons donc tomber ici. Ici, nous allons cliquer sur Vendre. Après avoir cliqué sur Vendre, nous allons scroller en bas et tout en bas, nous allons voir Retour et Annulation. Donc, nous allons cliquer sur Retour et Annulation. Nous allons donc tomber ici. Nous allons cliquer sur Retourner un article. Nous allons donc tomber sur cette page. Et maintenant, pour pouvoir retourner l'article, voici les détails ici. Tout simplement, appuyer sur « J'ai un problème dans sa conversation avec le vendeur ». Dans les 2 jours qui suivent la notification de Vinted indiquant que l'article devrait avoir été livré. Ensuite, la deuxième étape, c'est de fournir des preuves. Donc, vous allez joindre à votre message des photos de l'article et expliquer le problème au vendeur. Il peut s'agir de photos de l'article en mettant en évidence les parties endommagées ou de l'emballage de l'article en mettant en évidence les parties endommagées ou les parties de l'article qui ne sont pas conformes à sa description. Donc après cela maintenant, lorsque vous êtes prêt, vous allez appuyer sur « Envoyer au vendeur » pour soumettre une demande de remboursement. Une fois la demande de remboursement soumise, la commande sera suspendue afin que le paiement soit conservé de manière sécurisée jusqu'à ce que le litige soit résolu. Ensuite, la troisième étape maintenant, vous allez discuter avec le vendeur de ses options de retour et de remboursement. Le vendeur peut rembourser sans demander que l'article soit retourné ou le vendeur peut te demander de retourner l'article afin que tu sois remboursé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour retourner un article sur Vinted. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien sûr qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A plus!